Bonjour, je m'appelle Clément Poutot, je suis ingénieur en intelligence artificielle à la RATP depuis avril 2022. Je travaille pour le laboratoire Essais Mesures qui s'occupe donc des essais mesures pour le compte de la RATP et dans le ferroviaire de manière plus générale, que ce soit dans l'exposition professionnelle ou dans les caractérisations de matériel roulant, essais feux, etc. Mon job, ça consiste à aider les métiers, que ce soit du labo ou du groupe RATP plus généralement. Le premier volet, ça va être l'aide au dépouillement des données au sein du labo. Par exemple, quand on a des données très volumineuses, d'indiquer quelles sont les données les plus importantes. Mais également assister donc à la maintenance prédictive et à l'exploitation des données de l'IoT qui sont depuis quelque temps un volet que le labo essaye de développer. Ce que j'apprécie à la RATP, c'est que c'est une entreprise du service public qui contribue au développement et à l'adoption des transports publics. Et pour moi, c'est quelque chose d'important. Le terrain de jeu au niveau des données qui est absolument impressionnant. On a des données qui nous viennent du NLP, Computer Vision, Time Series et j'en passe. Et donc, c'est vraiment très varié. Et également le fait que le métier de data scientist à la RATP ne se cantonne pas au bureau et qu'on a la possibilité d'aller sur le terrain. Si je devais convaincre un candidat de rejoindre le groupe, je lui parlerais des avantages sociaux, mais aussi de la diversité de métiers qu'on peut rencontrer à la RATP. Et moi encore, j'en rencontre tous les jours. Donc on a vraiment des perspectives d'évolution très intéressantes.